C'est faire avec les murs. Je te transfère les coordonnées. On y va? Owen, tu veux participer aussi? Non, non. Vous savez ce qu'on dit sur les crypteurs. Un, ça va. Deux, c'est déjà trop. C'est pas comme ça qu'on dit. Owen. Bon, bah je rejoins l'amplificateur alors. Bon, on va finir par y aller, oui. Où est-ce qu'on va? Le tombeau du général Tharsis. Vraiment? Tharsis elle-même? Si on en croise Zim, c'est bien ça. J'espère qu'on trouvera son javelin enterré avec elle. Le javelin de l'aube. Tu connais la légende du général Tharsis et de la montagne? C'est un conte pour enfants. Elle affronte un monstre venant d'une tempête et vole sa voix pour fabriquer une épée. Oui. Mais on sera tous d'accord pour dire que le Maelstrom est un monstre. Tu marques un point. Tu devrais plus être loin du tombeau. Tu penses vraiment que le monstre que le général Tharsis a combattu était le cénotaphe? Honnêtement, j'ai hâte de le découvrir. Je détecte des transmissions du Dominion dans la zone. Connors. Génial. Maintenant, j'ai Alouk qui essaie d'escalader mon amplificateur pour regarder. Vous pensez vraiment que c'est le tombeau du général? Ton équipe a découvert une porte verrouillée droit devant. Le mécanisme de commande ne doit pas être... Voilà les commandes de verrouillage. Regarde ce que tu peux faire. Et voilà. Parfait, continue. Et fais preuve de respect, tu es en présence du général Tharsis. Je vais faire ce que je peux.
Et Jo a bien scellé cet endroit. Évidemment. C'était pour protéger le dernier repos de leur dirigeante. Tu devrais inspecter un peu cette salle. Il pourrait y avoir des indices par là. Faye, aucun signe de Javelin, mais je crois qu'on a trouvé le général Tarsis. Ils ont marqué sa tombe avec son signet. L'ancien est jusqu'au bout. Si c'est vraiment le sien, vous savez ce que ça veut dire? C'est peut-être la clé de la forteresse de l'ombre. Faye, je crois qu'on a un problème. C'est une projection très puissante d'un crypteur. Freelancer, ravi de vous voir. Qu'est-ce que vous voulez? Comme vous, je veux son javelin. Celui qui a conquis le Maelstrom. Pourquoi? Vous aimez l'histoire, c'est ça? Quelqu'un se doit de reprendre son œuvre. Et je mérite de perpétuer son héritage. S'il veut gagner du temps, on va s'en servir. Fais-le parler tant que je pirate les transmissions du Dominion. Vous vous prenez pour le nouveau général Tarsis? Eh bah, je savais pas que le Dominion pouvait délirer à ce point. Rien ne nous oblige à être ennemis. Vous croyez que le Cénotaphe m'importe, ou même le Maelstrom? Tout ce que je veux, c'est l'hymne de la création. Imaginez tout le bien qu'on pourrait en tirer. Nous pourrions créer un futur idéal. Imaginez disposer d'un pouvoir de création pure, plus important que celui du général Tarsis. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est l'avenir des habitants de Bastion. S'ils vous sont si précieux, gardez-les et donnez-moi le javelin de l'aube. Un vieux javelin rouillé contre toutes ses vies. C'est généreux, vous ne trouvez pas? Il cherche ta position. J'ai repéré des soldats du Dominion dans la zone. Non, jamais je ferai ça. Dégagez de ma vue! Faye? Les forces du Dominion sont déjà dans le tombeau. Dépêche-toi de sortir. Tu dois pas perdre le signet. Personne n'arrivera de fort tard si ça tombe. On est seul.
tombeau semble calme, mais il y en a d'autres à l'extérieur. Ils abandonnent jamais, hein. On vient de récupérer. Une partie de ton équipe a percé la ligne du Dominion. Tâche de les rejoindre. J'avoue que je pensais pas rencontrer autant de problèmes. Je m'attendais à des animaux dangereux, peut-être des scars. C'est la deuxième fois que je tombe sur l'observateur. Je crois que j'aurais préféré combattre un Ursix. Une partie de l'équipe est retournée à l'Arpenteur. Il est temps de rentrer.